Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est un grand jour pour le village de Boutoum. Parce qu'il connaît la culture Djola. Quand on parle de Boukout, c'est pratiquement le soubassement de la culture Djola. Donc aujourd'hui, Boutoum, si je me rappelle bien, et c'est ça, moi j'étais initié en 82, j'étais très jeune. 82 à nos jours, ça fait pratiquement 35 ans. Qu'il y a eu une initiation à Boutoum. Aujourd'hui, c'est le lancement des activités préparatives à l'initiation à Boutoum. Donc, c'est un grand jour où nous avons invité tout le monde à venir assister à cet événement. Cet événement où nous allons montrer à la face du monde que nous, Boutoum, les signes ont montré qu'il est temps que nous prenions ces jeunes pour leur faire entrer dans le bois sacré afin de les bénir. C'est ça le sens de cette cérémonie aujourd'hui. Qui est composé de combien de phases? Il est composé de plusieurs phases. Donc, c'est comme je le dis, c'est vrai, on ne peut pas l'expliquer. Un fanatique ne peut pas comprendre ça. C'est vraiment mystique. Dans le village, il y a des signes qui ont montré que il est temps. Il est temps qu'on puisse vraiment amener ces jeunes-là pour les initier à la culture Djola. Donc ces signes apparents, il faudrait que tout le village se réunisse pour vraiment amener ces gens-là dans cette dynamique d'aller au bois sacré. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons lancé pendant 3 ans. On a cherché à voir parce que on ne se lève pas un bon jour pour dire voilà, il faut qu'on lance l'initiation. C'est ça, se prépare à milieu de là. C'est ça que nous avons cherché. Et c'est aujourd'hui, c'est la date. Ce n'est pas nous qui l'avons fixé, mais c'est le village. Toute unité composée, que ce soit nous qui sommes ici, que ce soit nos ancêtres, tout. Qui ont concouru au choix de cette date. Cela veut dire tout simplement qu'à partir de ce jour, les futurs judiciaires sont interdits de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, comme vous le dites, ils sont interdits de beaucoup de choses. Là, aujourd'hui, nous avons lancé. On ne sait pas quand. Ça peut être l'année prochaine, ça peut être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 1900. Mais le jour arrivé, on déclarera publiquement que l'initiation à Boutoum, c'est telle année, tel jour, et on va inviter tout le monde à venir nous accompagner à aller dans le bois sacré. Parce que c'est pas, si dès qu'on déclare le jour-là, ce n'est pas pour nous Boutoum seulement. C'est pour tout initié Djola. Il est invité à nous accompagner dans le bois sacré pour qu'on initie ces gens-là à notre culture, à notre tradition. C'est ça. En 82, j'étais très jeune, mais cette année, 2007... Vous avez commencé à acquérir quelques connaissances, mais cette année, c'est la grande école. Cette année, 2007, je suis tellement... Et je suis de façon très, très, très sérieux. Les démarches qui se font, parce que nul ne sait demain. Peut-être que je vais assister, peut-être que je ne vais pas assister. Et je demande à toute ma génération de prêter attention pour que la prochaine initiation, on ne sait pas dans combien de temps, que ces gens-là puissent vraiment faciliter les jeunes qu'on va amener dans le bois sacré, je ne sais pas dans combien d'années. Pour qu'ils puissent vous relayer. Pour qu'ils puissent relayer. Afin que la tradition ou bien la culture Djola puisse être perpétuée. Et c'est ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de ça.